Encouragement. Et bah, tout le monde, à lever les mains à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Lever les mains. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, je suis Joël Hervé Boudja. Je suis né le 14 février, le jour de la fête de la Saint-Valentin. L'essence de la vie, c'est l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de nos semblables, qui conduit à l'éveil de la conscience spirituelle. L'art de vivre par excellence, c'est quelqu'un à aimer, c'est quelque chose de bon à faire, et c'est l'espoir dans un avenir meilleur. La plus grande sagesse, ce n'est pas de ne pas faire d'erreur, mais c'est de ne jamais renoncer et de ne jamais cesser d'apprendre. Je n'avais pas entrevu l'immensité de la mission qui devait être la mienne dans le champ de mission de Dieu. Au fil du temps, ce Dieu à qui je rends grâce aujourd'hui pour toutes les multiples manifestations de sa miséricorde qu'il a cessé de déployer en ma faveur, je voulais lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Il m'a pris tout jeune jusqu'à ce jour. Grâce à lui, grâce à son soutien, grâce à son amour, il m'a permis d'avoir un parcours très éclectique qui a commencé par un cursus en philosophie et en théologie, en journalisme par la suite, et quand j'arrive en France pour poursuivre mes études de troisième cycle et des études doctorales, il m'a permis de faire un 2A, diplôme d'études approfondies, en jeux sociaux et technologies de la communication, options médias et stratégie des acteurs. Puis, un diplôme d'études supérieures spécialisées d'ESS, en conseil aux collectivités territoriales, en politique de développement et d'environnement. Il m'a permis également de faire un diplôme de troisième cycle en relations internationales approfondies. Puis, une thèse de doctorat en sciences de l'information et de la communication. Après cela, j'ai décidé de refaire un recyclage en théologie. Et je suis retourné à Strasbourg où j'ai fait un master d'état en sciences humaines et sociales, option théologie pratique, et également un diplôme d'université d'aumônier. Puis, j'ai poursuivi ce parcours à Toulouse,
où j'ai fait un diplôme d'université en hommes et religions, puis un autre diplôme d'université en droit et religion. Si j'ai pu parcourir tout ce chemin, c'est pas parce que je suis fort, c'est pas parce que je suis brillant, c'est pas parce que je suis intelligent plus que tous les autres, mais c'est tout simplement parce que Dieu m'a fait grâce. Je voudrais avoir une pensée aujourd'hui pour tous les bienfaiteurs qui m'ont encadré, qui m'ont tenu par la main, qui m'ont aidé à pouvoir arriver au bout de ce parcours. Je voudrais penser à Monseigneur Isidore de Souza, archevêque de Cotonou, qui m'a pris comme un fils. Je voudrais penser à Maman Lucie et Pétigny, à Abidjan. Je voudrais penser à Papa Salomon Goussano, qui est décédé déjà. Je voudrais penser à Papa Roger Kakabi. Je voudrais penser à mon ami d'enfance que j'ai accueilli chez moi et après qui est décédé à Paris d'un cancer de sein, Eugénie Poula. Je voudrais penser à Papa Paul Meïssoua Koutounou. Je voudrais penser au révérend professeur Célestin Niakou, qui était notre vice-recteur à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais penser au professeur Alphonse Kenom, professeur d'histoire à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest à Abidjan. Et enfin, je voudrais penser à mon mentor, le très vénéré professeur Jean-Samuel Ndietoya, qui m'a pris par la main quand j'étais tout petit et qui a beaucoup contribué à ce que je sois aussi ce que je suis aujourd'hui. Et enfin, je voudrais avoir une pensée pour toutes les familles qui sont encore vivantes, dont j'éviterai de citer le nom pour ne pas oublier certains, et remercier tous ces amis qui ont voulu bien contribuer par leur vidéo à ce moment où je développe ce concept que j'ai appelé « Aimons-nous vivants ». Parce que je pense que c'est de notre vivant qu'on doit pouvoir se dire qu'on s'aime, qu'on doit dire à telle ou telle autre personne qu'ils sont importants pour nous, au lieu d'attendre à notre mort pour faire des hommages qui ne servent à rien. Joyeux anniversaire, révérend pasteur Joël Bondia. Ici, c'est ton oncle. Mbouatat, Topoumve. Topoumve qui veut dire le père des enfants des chefs. De tous les chefs, sans exception. Je suis le représentant de la communauté Banganté en Belgique. En même temps, je suis le président des notables dans le Benelux. Je suis très content, très heureux de te voir fêter ton anniversaire. Parce que le jour où tu es venu au monde, à la clinique Ngachou, au quartier 2, en Consamba, à 8h15, j'étais présent. Toi qui viens de naître et qui souris à la vie, que Dieu te bénisse et que la vie te sourit. Mon cœur est plein de joie quand tu es arrivé. Mon enfant, je lutterai pour que ton séjour ne soit que meilleur. Chaque le 14 février de chaque année, c'est un jour inoubliable pour toi. Un jour pas comme les autres. Un jour de joie. Un jour au niveau moyen très élevé. Mais aussi le jour le plus court. Le plus court pourquoi? Parce que le jour de joie semble toujours plus court. Je profite à cette occasion
pour attirer ton attention en tant que ton oncle. Tu es pasteur pas parce que tu veux. Dieu t'a envoyé et tu es en train d'accomplir ton devoir que Dieu t'a envoyé. Tu es un envoyé de Dieu. Il t'a envoyé pour prêcher son nom. Et je dis ça pourquoi? Parce que à l'âge de 10, 11 ans, tu rassemblais les enfants de ton âge au quartier pour te faire pasteur et tu leur prêchais. Tu les baptisais. Tu volais même de l'eau parce que l'eau c'était un denrée rare. Tu volais même de l'eau pour aller baptiser les enfants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les enfants étaient contents parce que du moment quand ils faisaient même chaud, quand tu les mouillais avec de l'eau, ils étaient contents. Et tu étais en train de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais une chose curieuse est que tous ces enfants-là ont réussi aujourd'hui. Parce que naïvement, tu les bénissais. Et c'était la main de Dieu. C'était la main de Dieu. Alors, je veux tout simplement dire ceci. Je demande au Créateur de l'univers, qui est le Dieu Tout-Puissant, de te bénir. Pour que tu puisses aussi bénir tous ceux qui viendront vers toi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Moi, je suis votre maman, votre doyen, votre aîné de la famille Nganga. Ce jour, c'est le 14 où mon fils, Bonajou Hervé, avait vu le monde à la clinique Gachou. Et ce jour-là, ça m'a commencé le travail. Nous sommes allés là-bas avec ma grand-mère. À un moment donné, voir les cris qui sont, c'était joli. Alors, cet enfant a grandi. À 3 ans, on l'a amené, il a été dans une école maternelle, le Saint-Kizito, à la Janda. Et vous savez bien que Saint-Kizito, c'est la mission catholique. Vous connaissez les catholiques avec les prières. Le matin, un jour, on va d'abord à l'église, on prie. À la sortie, on prie avant de se séparer. Toujours comme ça, ainsi de suite. Et comme mon fils, il avait déjà le sang d'être un envoyé de Dieu, qui aime la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il a continué toujours avec des paroles de Dieu dans sa bouche. Jusqu'à finir son école là-bas à la cathédrale. Et après, il est parti au lycée. C'est pour dire que quand un enfant est né avec son don, c'est dans le sang. C'est pas quand on vit au monde qu'on va devenir ceci, on va devenir cela. C'est dans le ventre que Dieu t'a arrangé avant de te mettre dans le ventre de ta maman. Il s'est calé comme ça. Quand tu es au monde, tu veux forcer n'importe quoi, ça ne peut pas marcher. Alors aujourd'hui, le voilà, il est un révérend pasteur. Hein? Ce n'est pas facile d'avoir un pasteur dans la famille. Vraiment. Tanunja, vraiment, c'est juste pour te souhaiter joyeux et heureux anniversaire ce jour où tu étais venu au monde. Que le bon Dieu là te bénisse et qu'il te donne la longévité. Que toi, tu nous donnes
les belles prédications tous les dimanches. Parce que quand j'écoutais ton église le dimanche, Joël, tu ne sais pas comment mon cœur est dedans. Franchement, ça me donne la joie dans mon cœur. Encore que c'est la prédication de qui? De pasteur Joël Bondia, mon fils. Et si tout le monde a le pasteur dans la famille? Jamais. Alors, mon garçon, Dieu seul va trouver la solution à ta vie. Mettons tout entre tes mains. Je suis maman Félicité Wanji, servante du Seigneur, et je vis à Montréal, au Canada. Pasteur Joël, tu sais, je n'ai pas la prétention d'avoir ta verve oratoire, mais je voudrais tout de même saisir le prétexte de ton anniversaire pour te dire mon émerveillement quant à ce que Dieu a fait de toi. Un monument. Oui, un monument de persévérance, un monument de foi et d'espérance. Tu es un féru de travail bien fait, un homme toujours en quête du savoir, un homme studieux, discipliné, méthodique, toujours prêt à servir, même au détriment de soi-même, au point où je me suis permise quelquefois de te conscientiser par rapport à certains de tes engagements. Pasteur Joël, tu es un homme de parole dont l'imposante carrure pourrait faire craindre de la froideur et de l'orgueil. Et pourtant non, ta carrure cache plutôt une âme très sensible, une âme humble, une âme aimante, une âme forte aussi, vendue pour Jésus-Christ. Amen. Je me souviens encore, comme si c'était hier, de tes premiers pas dans ton appel. Nous étions alors en Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans les années 90 par là. Je me revois te conduisant dans les diverses communautés, les communautés chrétiennes où tu étais sollicité pour rendre ministère. Tu étais alors si jeune, mais déjà si profond dans tes exhortations. Aujourd'hui encore, tes prédications sont d'une telle profondeur, mais alors d'une telle richesse, à se demander si c'est l'historien ou simplement le théologien docteur de la parole qui est en train d'officier. En cela, tu es bien le fils de ton père, de regretter mémoire, le professeur Ndie Toya. Amen. Parallèlement, les témoignages que tu rends aux uns et aux autres à diverses occasions donnent une autre facette de toi. C'est un tel déploiement d'éloquence et d'élégance où le sociologue-anthropologue côtoie l'historien dans un style où le poète se confond au romancier et le tout donnant une belle mélodie oratoire qui se laisse tout simplement écouter. Or, chaque témoignage est un chef-d'œuvre de rhétorique qui sublime la personne concernée. Bravo. Mon fils, tu as une telle force de caractère et une telle endurance. De tes nombreuses et diverses épreuves, tu es sorti toujours plus fort, tant spirituellement qu'émotionnellement et même physiquement, ayant certainement compris que Dieu appelle au ministère pour souffrir pour les âmes, en devenir esclave et un serviteur inutile. Et tu l'incarnes bien, Pasteur Joël. Gloire à Dieu. Tu es un homme orchestre, un instrument de valeur pour la grande commission. Puisse la main de Dieu qui t'a conduit jusque-là parfaire en toi la belle œuvre qu'il a commencée. Puisses-tu, mon fils, accomplir tes jours, tant il est vrai que le vieillard qui mourra à 100 ans sera jeune. Amen. Happy and blessed birthday, Pasteur Joël Bundia. Hallelujah. Amen.